Voilà, ça enregistre. Du coup, Françoise Cagliati, on ne vous voit Oui, pas. bonjour. Oui, bonjour, Françoise Cagliati. Je n'ai pas la caméra. Bonjour, Françoise Cagliati, à l'Association des entreprises du pôle d'activité d'Aix. Donc, je suis chargée de communication. Cécile Douma ou Oui, Doumas? alors. Douma, également chargée de communication pour Luberon Essor Entreprendre et je rejoins la structure il y a un petit mois maintenant. Laura Chauvigné? Oui, bonjour à tous. L'Association des entreprises du pôle d'activité d'Aix est bien représentée, puisque Françoise est là et moi aussi, donc je suis secrétaire générale de l'association. Donc Christine Fabre. Bonjour. Salut Salut. Soazic. Salut. Bonjour. Christine Fabre, vous, si vous voulez Oui, nous. bonjour. Je suis la présidente de l'Association des entreprises de la Haute-Vallée de l'Arc. Et Soazic, donc François, la dernière. Oui, bonjour. Soazic François, je suis la chargée de mission de l'Association du parc d'activités de Gemnos, la PAGE. Bon, et bien, du coup, voilà, on va pouvoir démarrer. Puis, si d'autres personnes nous rejoignent, et bien, ils nous rejoindront en cours de route. L'idée de cet atelier, c'était de pouvoir faire des échanges très pratico-pratiques sur des thématiques bien identifiées. Donc, là, en l'occurrence, sur l'utilisation des réseaux sociaux et nouvelles technologies d'information, de communication. On a deux retours d'expérience qui nous semblaient intéressants à partager sur ces deux territoires-là autour de Marseille. Ce n'est pas volontaire, hein, mais c'est Marseille Nord et Marseille Sud. Je laisserai la parole à l'un et à l'autre si vous souhaitez. D'abord, une petite présentation générale de vos actions. Donc, visio-découverte du côté Cap au Nord et le LEH TV du côté de LEHV. Voilà. Donc, honneur aux dames, Camille, si vous voulez. Est-ce que vous voulez que que je partage la petite diapo de présentation? Oh oui, je veux bien. Je veux bien savoir combien de temps j'ai aussi. On se donne au global 1 heure questions-réponses, tout inclus, donc 10 minutes D'accord. maximum de présentation pour faciliter les échanges après. Ça marche. Merci. Donc, juste pour redire un mot sur Cap au Nord Entreprendre avant de passer dans le cœur du sujet. Cap au Nord Entreprendre, c'est le réseau des entreprises installées sur le nord de Marseille, donc sur 4 arrondissements, qui sont les 13, 14, 15 et 16e, qui représentent à eux seuls 4 500 entreprises employeuses, 85 000 salariés, 250 000 habitants. Cap au Nord Entreprendre fédère à peu près 310 adhérents de toute taille et de toute filière. Donc voilà, c'est un peu la richesse de ce réseau. On fait trois choses chez Cap au Nord Entreprendre. Du grand classique, enfin, vous avez tous des réseaux d'entreprise, donc c'est facile, hein, de l'animation de réseau avec beaucoup d'événementiels, petit-déj, soirée au minimum par mois depuis la fin du, enfin, la fin, depuis qu'il n'y a plus de confinement ou de couvre-feu. On a des projets qui font un peu notre particularité, puisqu'on est une équipe de 7 permanents. Donc, on a trois sujets phares qui sont l'emploi, la mobilité et le cadre de vie. Je vous en dirai pas plus aujourd'hui, mais enfin maintenant. Mais si vous avez des questions, j'y reviendrai volontiers. Et puis un peu de lobbying, comme on le fait tous, pour représenter nos adhérents et pouvoir améliorer les conditions d'exercice sur le territoire et l'améliorer tout court. Voilà. Les visio découvertes, ça a été un peu notre bébé Covidé. On s'est retrouvé à un moment à réduire au maximum tout l'événementiel. On commençait à en avoir marre de passer des coups de fil à nos adhérents et on avait besoin de créer un peu des nouveaux formats. On n'était pas très branchés réseaux sociaux jusque-là. On faisait des posts de temps en temps sur Facebook et LinkedIn, mais c'était pas foufou. Et puis on a une nouvelle collègue qui est arrivée, qui nous a aidé à mettre en place un plan de communication. Et on s'est dit, quand on a eu un peu cette armature de communication à fait, que finalement, on pouvait aussi imaginer des capsules mettant en valeur nos adhérents.
Donc, c'est parti vraiment d'un constat assez simple, hein, qui était les adhérents adhèrent aussi pour gagner en visibilité. Nous, on peut plus organiser d'événements, mais il faut quand même que ils puissent se rencontrer d'une manière ou d'une autre. On n'est pas des pros du montage vidéo ou du film et on n'a pas envie de le devenir. On a déjà assez de choses à faire, mais par contre, peut-être qu'on peut trouver un format un peu hybride qui permet de répondre à tous ces besoins-là. Et donc, on est parti au départ en se disant, on va filmer avec un téléphone. On va se donner, au tout départ, on va se donner une demi-heure pour que l'adhérent nous présente un peu toute son activité. Et puis, on va partir sur une trame d'entretien hyper simple. Donc, c'est toujours quatre questions, les mêmes, qui sont qui êtes-vous, que faites-vous ? Quelles sont vos perspectives de développement? Que voulez-vous dire aux adhérents de Capo Nord Entreprendre? Et un mot pour définir Marseille Nord. Donc ça, c'est le grand classique. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, on a un adhérent qui a joué le jeu parce qu'il ouvrait une concession de voiture. Donc, pour lui, c'était banco. On a fait un format d'une demi-heure. On s'est dit que c'était beaucoup trop long et pénible. Donc, on s'est dit petit à petit qu'il fallait affiner ce format. Le deuxième, on était au Journal de la Provence, on n'a fait que marcher. J'ai cru que la caméraman allait tomber, se casser un pied. Et en plus, la vidéo n'était pas de très bonne qualité. Donc, petit à petit, on a affiné la manière de faire. L'idée, comme c'est écrit sur la diapo, c'est d'être deux, de se donner, on va dire, une demi-heure, en fait, hein, parce qu'on donne rendez-vous à l'entreprise à 9h moins le quart, le temps de dire on va filmer ça. À 9h, on lance le live sur Facebook, puisque c'est la seule plateforme de réseaux sociaux qui ne demande pas d'abonnement particulier, de payer un truc ou d'avoir un certain nombre de personnes qui suivent pour pouvoir faire du live. LinkedIn, c'était beaucoup plus compliqué. Et une fois qu'on a fait ce live, on le télécharge. Et puis, on le bascule sur les autres plateformes, à savoir YouTube, LinkedIn, notre site Internet, peut-être un jour Twitch et TikTok, mais on n'en est pas là. Donc ça, c'est le format tel qu'on le fait. On s'est dit qu'il fallait quand même qu'on achète un petit micro, qu'on s'améliore un peu parce que les vidéos sont inégales. Hein. Il va y avoir des vidéos qui se passent bien parce que c'est pas trop bruyant, la lumière est jolie, etc. Et d'autres qui vont être un peu plus dégueux avec les engins qui passent derrière. Donc, d'un coup, on entend ta-ta-ta-ta-ta, on n'entend plus le chef d'entreprise. Bon, voilà, donc on tâtonne hein, tout le temps et puis on se dit, oh là là. Donc, l'idée, c'est clairement que c'est un format mouvant. On s'était dit qu'on allait faire ça 6 mois. Là, ça fait 1 an. On en est à… Quand j'ai fait la diapo 40, là, on en est à 43 parce que c'est toutes les semaines. On se dit qu'on va continuer encore un peu parce qu'en fait, il y a une véritable demande de nos adhérents. C'est devenu aussi un argument d'adhésion, hein, où on dit, en fait, on peut vous mettre en valeur, faire une capsule vidéo. Donc on se rend compte que ça marche, que moi, je vais à des événements, on me dit, j'ai vu votre visio découverte chez Machin Bidule. Donc ça couvre un rayon bien plus large que ce qu'on pouvait couvrir jusqu'à maintenant. On est sur des chiffres assez stables, donc à réfléchir aussi comment encore mieux diffuser ces visios, parce que là, on est entre 2000 et 4000 vues des posts, peut-être qu'on pourrait être à 10 000. Donc ça, ce sera dans les projections à mener. Et puis, il faut qu'on se professionnalise un peu aussi, hein, parce que sur la communication, on voit qu'il y a certaines manières de contenter les algorithmes. Et jamais j'aurais cru que je dirais ce genre de phrase. Donc après, c'est comment on fait remonter les posts dans les fils. Donc comment on commente, comment il faut mettre des émoticônes, c'est des petits trucs mais qui permettent aux posts d'avoir plus de visibilité. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. On est plutôt content parce que c'est pas chronophage. Enfin, on sait qu'on est tous en équipe réduite sur les réseaux d'entreprise et qu'à un moment, il ne faut pas que ça prenne plus de temps. Ça nous permet de voir les adhérents comme on ne les voit jamais parce qu'en fait, on va chez eux. C'est un vrai temps d'échange qualifié aussi pour fidéliser nos adhérents. Hein. Ça permet de donner des messages aussi. Ça permet de parler d'une certaine manière de Capo Nord Entreprendre aussi. Et c'est plutôt un exercice pas désagréable. Voilà, moi qui n'étais pas du tout branché réseaux sociaux, finalement de faire des vidéos toutes les semaines, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Bon, peut-être qu'un jour il y aura des trolls qui m'insulteront, mais on n'en est pas là. Donc pour le moment, c'est juste plutôt un exercice facile et aisé. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. Peut-être que j'ai oublié des éléments essentiels. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On les posera.
Très bien. On peut peut-être dire bonjour et laisser se présenter rapidement. Donc, je crois qu'il y a Émilie Cailleul et Bruno Delarose qui nous ont rejoints entre-temps. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, a priori, non. Est-ce que je vous laisse vous présenter rapidement, Émilie Cailleul? Oui, alors. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour tout le monde. Donc, Émilie Cailleul, je travaille pour la Fédération des entrepreneurs du Pays Salonnais. Donc, c'est un réseau de 450 chefs d'entreprise, donc bah, comme son nom l'indique, sur le Pays Salonnais. Voilà. Donc, j'étais curieuse de découvrir cette réunion parce qu'on met ça en place aussi, nous, depuis quelques temps. Et je voulais voir un petit peu bah, les différences, ce qui pouvait se passer et comment on pouvait, nous aussi, améliorer nos diffusions vidéo. Voilà. Du coup, Bruno Delarose. Bonjour. Je suis au conseil d'administration du Pôle Sainte-Victoire. Et entre autres, je suis aussi à l'UP d'Aix et à Convergence. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a quelques premières petites questions à Camille? Juste une petite question de précision. Tu as dit qu'au début, c'était une demi-heure, la vidéo que vous faisiez, et que vous étiez rendu compte que c'était trop long tout ça. Maintenant, ça dure combien de temps? On ne s'est pas fixé de format rigide, donc on propose aux adhérents de faire 10 minutes max. Pour moi, les meilleures visios, c'est celles qui durent 4-5 minutes, parce qu'après, on a quand même des statistiques hein, sur les vues, le temps de visionnage, etc. Et clairement, les gens, en général, vont regarder 2 ou 3 minutes. Donc, mais l'idée, c'est quand même de laisser un peu d'ampleur à la personne interviewée, parce que c'est un exercice quand même stressant pour eux, ils n'ont pas l'habitude. Y en a qui vont regarder quand même jusqu'au bout. Et puis, la rigidité, ça, c'est souvent se tirer une balle dans le pied. Mais 4 minutes, moi, je leur dis en général, pour préparer, hein, je leur dis, soyez concis, dites les informations clés au départ. Parce que en fait, à la fin, la moitié des gens au moins ne regarderont pas jusqu'à la fin, et on se donne 5 minutes. Après, l'idée c'est que moi je vais essayer même de couper hein, des fois, de dire ben en fait là c'est on passe à la question suivante. Il faut rembrayer parce que l'idée c'est que après, selon la personne qu'on a en face de soi, elle peut passer 20 minutes hein, à parler de son activité. Donc il faut quand même réussir à respecter un format. C'est tous les vendredis, Camille? Non, c'est fluctuant. Okay. Ça dépend vraiment des agendas. Ça peut, finalement, la récurrence, c'est plutôt le mardi. D'accord. 9h. Voilà, 9h, mais des fois... Et là, le chef m'apporte un café. Merci. Non, c'est n'importe quel jour. Idéalement, plutôt les jours où ça marche bien sur les réseaux sociaux, donc le mardi et le jeudi, mais on s'adapte. En tout cas, tout le temps à 9h. Ouais. Avant, c'était 9h moins le quart, mais on galérait trop à arriver à l'heure. Donc, on est passé sur du 9h. Et puis, les gens sont plus posés devant leur ordinateur à 9h. Après, on se rend compte que le live, ce n'est pas du tout le format qui est le plus suivi. Mais nous, ça nous permet en tout cas de ne pas avoir à faire de montage, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que là, on vend du live, donc il n'y aura qu'une seule prise. Et après, voilà. Mais on sait qu'en direct, on a 5, 6, allez, des fois 10 personnes max. Mais ce n'est pas du tout là qu'on va rayonner. Quoi. Mais pas de montage. Zéro. Voilà, j'ai une c'est plus long. Oui. Nous, on fait du montage, justement. Toutes nos vidéos sont montées. Et j'avoue que bon, le fait que ce soit monté, je ne le prépare peut-être pas de la même manière non plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'explique et je rassure la personne que je vais filmer en disant, voilà, vous inquiétez pas, si à un moment donné, vous bégayez, si à un moment donné, vous répétez, moi, je vais reprendre. Donc, effectivement, j'ai des fois des interviews où j'ai, sur 15 secondes, 10 coupes. Je reconstitue des phrases, en fait. Voilà. Mais... justement, j'aimerais bien passer à un format live parce qu'effectivement, ça me demande par contre beaucoup de temps de montage. Alors, l'avantage, c'est que je peux mettre un petit générique, je peux adapter certaines choses. C'est ça, je vais le faire tranquillement au bureau. Moi, ce qui me fait peur, c'est effectivement que la personne se bloque sur le côté live parce que des fois, je suis obligée quand même de les... même si c'est du montage, de les rassurer parce que certains ne le feraient pas. Enfin, il y a ce côté peur quand même. Voilà. Eh ben, moi, je n'ai pas trop été confrontée à ça. D'accord.
Après, là, sur les 50 demandes qu'on a faites depuis le début de l'année 2021, j'ai une seule adhérente qui m'a dit, qui venait en fait d'acheter la boîte, donc qui ne maîtrisait pas totalement tous les métiers encore, et qui m'a dit donne-moi 6 mois, le temps que je m'approprie vraiment tous les sujets de l'entreprise, et après je reviens vers toi. C'est la seule, en fait. Oui. Parce que, voilà, effectivement, il faut pouvoir dérouler tout le truc d'un coup sans reprendre. Par contre, est-ce que toi, parce que moi, vu qu'ils ont les questions en amont, quand même, les plus angoissés préparent. Ils ont leur fiche. Préparent à fond. Ouais. Voilà, ils ont leur fiche. Après, ils se rendent compte que sur le temps imparti, ils n'ont pas eu tout le temps de lire leur fiche. Mais par contre, ils ont quand même, enfin, ils sont prêts. Oui. Et c'est vrai que le montage, on s'était posé la question, parce qu'au début, on faisait ça dans un autre format, quand il n'y avait pas le Covid, qui était l'entreprise du mois, où on voulait justement faire des capsules vidéo. Et en fait, je voyais mes collègues, ça prenait la vie des rats à faire. Enfin, et moi, dès le départ, j'ai dit, c'est hors de question que je passe du temps là-dessus. C'est, on fait ça un peu à l'arrache, mais à la limite, c'est devenu un peu notre marque de fabrique. Et puis, on prend pas du temps là-dessus, parce que c'est du temps qu'on ne prend pas pour autre chose. Et franchement, non, c'est pas un blocage. D'accord. Non, voilà, parce que c'est vrai que… Alors après, je pense que ça dépend du public, ça dépend de la personne avec qui on va échanger. Il y a des personnes plus timides, en fait, c'est pareil partout. Hein, je veux dire, dans les réseaux, on a des personnes qui slalom dans des soirées avec 100, 150 personnes, avec une aisance fabuleuse, et d'autres qui ont un peu de mal à aller vers les autres. Donc, je pense qu'on se retrouve un petit peu avec ce genre de problématique aussi sur la vidéo. Après… je vais peut-être, ça me fait du bien d'entendre tout ça, parce que je vais peut-être justement essayer, alors peut-être par les personnes les plus à l'aise sur ce type de format pour démarrer, donner envie aux autres de le faire. Après, effectivement, je pense qu'il y a aussi un exercice de notre part pour, de pouvoir les arrêter, parce que le cas existe aussi, la personne qui est très à l'aise et qui du coup pourrait nous faire une émission d'une heure et demie. Donc voilà, ouais, je pense que… Non, mais c'est super. C'est quoi votre format, Émilie, vous ? Vous filmez comment ? Alors, moi, j'ai des stabilisateurs. D'accord. Osmo. Donc, ouais. Genre, je vous montre. Ouais. Voilà. On va être un petit peu équipé, parce que nous, on est à… Ouais. On est à… Je ne sais pas, je dois être à… Depuis que je travaille à la Fédération, 120 vidéos, quelque chose comme ça. Okay. Et là, récemment, 70 en 6 mois à peu près. Du coup, on fait déjà des vidéos de promotion de nos événements. C'est-à-dire que tous les événements qu'on organise maintenant sont filmés. Et 48 heures après, il y a la vidéo de la soirée sur les réseaux sociaux. Wow. Donc, c'est un moyen de communication. Donc là, j'ai ce petit appareil qui est un stabilisateur et qui permet, du coup, j'entendais tout à l'heure, de filmer en marchant. Et personne n'est malade. Donc ça, c'est pas mal et ça marche avec tous les téléphones. Et là, récemment, j'ai eu droit à ça, justement, pour les soirées. Donc, on a acheté ça d'occasion. Justement, ça coûte combien ? L'Osmo Pocket 3, nous, on l'a aussi. Voilà. Alors ça, je crois que… 470,09€, je crois. Ouais, alors ça a un petit peu baissé là parce qu'ils ont sorti la nouvelle. Donc, je pense qu'on a 300 et quelques euros. Mode occasion, on l'a trouvé à 150€. Donc, voilà, ça permettait de ne pas faire de gros frais pour les assos. Et en fait, vous avez la caméra ici, un petit écran là, vous pouvez fixer le téléphone. Et c'est pareil, c'est stabilisé. Et on peut faire en fait des images qui se rapprochent un petit peu des fois d'un film de drone. Parce que du coup, comme c'est tactile… Vous allez pouvoir balayer une pièce ou faire pour des génériques ou présenter les locaux de l'entreprise, avoir une image assez stable. Donc, on fait avec ça. Et on peut brancher un micro dessus. Alors, ça, je ne l'ai jamais… Non, sur celle-là, on ne peut pas brancher de micro. Sur la 2, oui. Voilà. Alors, en fait, le son est sur le chargeur dessous. Voilà. Alors, le son n'est pas trop mauvais là-dessus. Après, quand je fais de l'interview, j'ai un pied avec un Canon et là, j'ai un micro, quelque chose d'un peu bien. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir là, quand je sais que je vais avoir un risque, une entreprise où il y a du bruit ou des choses comme ça, je vais pouvoir travailler mon son avant de diffuser. Mais nous, on le travaille avant. Enfin, c'est-à-dire, je comprends le côté live justement parce que je vois quand je filme, est-ce que les filtres, je suis obligée de mettre sur mes vidéos pour essayer d'avoir un son assez net et autre. Donc voilà, donc effectivement, mais ça par contre pour du live, ça c'est juste fabuleux quoi. Voilà, ça, c'est-à-dire que même si vous tenez, qu'à un moment donné vous tremblez un petit peu ou autre, ça va le stabiliser et du coup l'image sera très très nette. Alors, moi j'ai une expérience sur le G Osmo Mobile, j'avais acheté ce truc là et effectivement il communique sur le fait que c'est compatible avec tous les téléphones, mais en réalité il faut télécharger un logiciel après de montage qui va avec, hein, c'est ça. Et ce logiciel, il n'est pas compatible avec tous les ordis.
Oui, l'application. Et qui est très lourde en plus, je crois qu'elle fait 300 MO sur le téléphone. Enfin, et c'est absolument pas compatible avec tous les téléphones. C'est beaucoup les Huawei ou les Apple. Mais sinon, c'est très compliqué de trouver, surtout si on achète un modèle de l'année d'avant et que le téléphone, il n'est pas encore connu. Moi, j'avais Samsung et sur mon Samsung, j'ai pu la télécharger. Bon, après, c'est vrai que du coup, je n'ai pas eu de problème. Après, c'est juste, je ne m'en sers pas pour le montage. Hein. Je m'en sers pour capter et après, je monte avec Final Cut parce que là, j'ai un Mac et j'ai un PC portable. Et là, j'ai Premiere et After Effects pour travailler des fois un peu plus les images. Mais du coup, c'est vrai que déjà, il y a une image qui est propre au départ. Et je pense que pour du live, c'est vrai que ça évite quand même tout un travail. Voilà. Mais moi, c'était plus… Après, c'est vrai que le matériel, aujourd'hui, il y a plein de choses pour filmer. On a des téléphones hyper… Enfin, je veux dire, quand on a un bon portable, déjà, on a quelque chose d'hyper hyper net. Mais c'est vrai que voilà, c'était plus, moi, le rapport avec le chef d'entreprise et son attitude face à… Parce que l'idée, comme c'est de le promouvoir, c'est pas de le descendre. Et si l'interview est mauvaise, on peut vite tomber sur l'effet inverse. Et voilà, donc j'avais un peu cette appréhension. Non, par contre, ce que je constate, c'est que… Plus on a des chefs d'entreprise qui ont la gouaille, qui sont hyper assurés, et plus ces interviews sont mauvaises. Alors ça, c'est typique. Parce qu'en fait, ils ne préparent pas. Trop à l'aise. Oui, ils ne préparent pas, ils sont trop à l'aise. Et eux, je suis obligée de leur dire de manière hyper détournée, prépare. Oui. Prépare, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Ouais. Trop long à être. Ouais, voilà. Donc, c'est souvent les plus timides qui font les meilleures interviews live. Hein. Voilà. Ça, c'est après 42 lives. Ouais. C'est un constat, ouais. Ouais, d'accord. Ah ben, bien. Bon à savoir, parce que j'en ai qui ont la gouaille. Faut se méfier. Faut se méfier. Du coup, je vais peut-être proposer à Mathieu de faire la présentation LEH et puis LEH TV, quitte à revenir sur les questions de manière générale. Simplement, je crois, donc on a Laurie Lélie qui nous a rejoint là récemment. Bonjour, désolée pour le retard. Mais vous m'entendez? Oui, bien. On vous entend bien. Super. Et donc, vous êtes sur quelle structure, quel asso? Voilà, alors moi, je suis donc chargée de communication chez Atelier Entreprendre, donc à la Ciotat. Voilà, donc je suis en alternance puisque j'ai repris mes études cette année pour préparer un master en communication marketing. Voilà. Merci. Parfait, Laurie. Merci, Fleur. Effectivement, c'est cool, il y a des pros. Je ne pensais pas qu'on parle de ça peut-être il y a encore un ou deux ans, même si c'est des choses qui se faisaient déjà, mais c'est vrai que voilà, les réseaux sociaux, les outils du digital nous poussent à faire ça. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui, je trouve, qui permet de pérenniser nos actions, en tout cas dans le temps, et puis mettre bien en valeur nos adhérents ou nos actions. Pour notre part, donc, nos administrateurs ont décidé de faire une émission télé. Donc, ce n'est pas des lives, c'est le plateau télé avec quatre caméras, un ingénieur son, un ingénieur lumière, un ingénieur vidéo. C'est vraiment quand les gens rentrent sur le plateau, la première impression qu'ils ont, même s'ils ont de la gouaille, même s'ils sont à l'aise à la vidéo, ils ne sont pas à l'aise. Je ne l'étais pas non plus au début, je me souviendrai toujours mon première interview. Quand tu rentres sur le plateau, tu fais « Ah, d'accord, c'est pas la même, tu es derrière quatre caméras, c'est une autre ambiance. » C'est une autre ambiance et ça permet effectivement de faire d'autres choses, je pense. Alors, pour notre part, donc, on a lancé ça aussi en 2021. C'est un projet qu'on avait imaginé dès septembre 2020 en anticipant un petit peu les confinements qui allaient revenir, surtout pour les déjeuners. Nous, on a l'habitude de faire un déjeuner chaque mois avec nos adhérents. Et voilà, dès janvier, on nous a dit qu'il n'y avait plus de restaurant. Donc, comment faire pour garder ce lien, pour essayer de faire des repas de travail avec une dizaine de personnes, tout en continuant à se faire rencontrer nos adhérents. Donc, on est parti sur cette émission télé, le plateau LEH TV. En janvier, on a fait une première émission et on voulait qu'elle dure moins d'une heure, 30 minutes même, une trentaine de minutes, pareil. Et on s'était dit une par mois. Alors, donc, on fait la première émission avec 5-6 invités, dont Jean-Luc Chauvin.
Et Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce, a dû parler pendant 35 minutes. Donc, on s'est retrouvé avec une émission d'une heure cinq. Bon, on l'envoie quand même. On a eu plus de 800 vues, je crois, en moins de 5 jours. On avait dépassé les 250 dans la soirée. Donc là, le président et les administrateurs ont dit, effectivement, on ne s'attendait peut-être pas à ça. Et donc, on était contents. On s'est dit, on va continuer. Donc, on a demandé à nos adhérents comment continuer. Ils nous ont dit, non, mais pas une heure, quoi, les gars. Les gens, ils la regardaient en 4 fois, 5 fois. Donc, on s'est dit, il faut qu'on descende sous la barre des 20 minutes. Aujourd'hui, on arrive presque à se rapprocher des 15. Après janvier, on a refait un tournage. Et en fait, nous, quand on fait un tournage, donc il y a une journée de montage pour les équipes techniques et une journée de tournage avec nos invités. Donc, je co-anime avec mon président ces émissions. L'objectif, c'est de mettre en avant un adhérent et derrière, aujourd'hui, on est parti sur des chroniques. Donc, on a un invité, un adhérent d'une grande structure et derrière, on a une à deux chroniques de 3-4 minutes max. Là, on essaie vraiment de serrer la vis sur le temps qu'on leur donne pour donner des conseils. Ça peut être sur la fiscalité, sur récemment sur des questions du numérique, sur l'archivage numérique, sur des conseils à la vente. Enfin, on propose à d'autres adhérents de venir faire une petite chronique. Donc, on pense avoir trouvé le format un peu hybride, un peu idéal pour que ces émissions ne durent que 15 minutes, donc 10 en moyenne pour l'interview et la chronique de 3-4 minutes. La particularité, c'est que nous, on est deux à animer, donc ça permet vraiment... soit couper en live la personne qui parle trop, parce que c'est vrai que si l'adhérent fait une tirade de 5 minutes, on perd forcément les gens qui regardent la vidéo. Donc, on a pris l'habitude maintenant avec notre président d'avoir ce jeu où j'ai plus peur de couper quelqu'un, même le président de la Chambre maintenant. On l'a interviewé une deuxième fois et on ne lui laissait plus parler 10 minutes. À nous deux, ça nous permet de rebondir et de rendre plus dynamique l'interview. Sur notre format, on a également des bandeaux qu'on diffuse sous les émissions qui permettent de mettre plus de messages pour nos adhérents, qui permettent de mettre en valeur nos événements ou faire passer des messages de nos partenaires. Donc, et on voit pas mal d'adhérents qui me disent « Non, mais ça, je l'ai vu dans le bandeau. » Ah ouais, t'es... Donc, on a des fans, des abonnés qui sont assidus et qui utilisent bien, enfin en tout cas qui utilisent tous les supports qu'on propose pour ces émissions. Donc je vous le disais, sur ce tournage, on a fait un tournage mercredi dernier et on a réussi à faire 9 émissions dans la journée. Donc 9 émissions, c'est 9 invités, plus on avait, je crois, 7 chroniqueurs. Donc, on se retrouve en une journée à… On attaque à 9h30, on finit à 19h et on fait, on fait presque 16 tournages, en tout cas. Donc, c'est sport. On arrive aujourd'hui, on arrive quand même à faire les prises en une fois. Alors, pour notre part, on ne leur demande pas de préparer. Certains le souhaitent, Mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est on les accueille, on fixe des créneaux d'une demi-heure à peu près. On les accueille 10 minutes, on prend 15 minutes avec eux s'il le faut, pour qu'ils se familiarisent avec le plateau, qu'on leur montre les caméras sur lesquelles ils doivent s'exprimer. On prépare avec eux les 2-3 questions. Enfin, c'est surtout quelles réponses ils veulent donner, eux. Et nous, on imagine les questions. Et après, on part directement dans « ça tourne ». Et on s'aperçoit que sur les 15, on a dû refaire que 2 prises, dont une parce que le téléphone avait sonné pile poil à la conclusion. Donc, alors, quand on fait une prise, on reprend la question d'avant. Donc, on ne refait pas tout l'interview, on repart sur la question d'avant. Et puis, donc, comme ça, on gagne vraiment du temps. Donc, c'est-à-dire qu'en une demi-heure, on arrive à sortir un rush d'une dizaine de minutes. Donc, on travaille avec des professionnels, vous l'avez compris, et forcément un monteur vidéo. Même si derrière, il y a des allers-retours
et pas mal d'allers-retours en fonction du format qu'on fait. On a fait un bêtisier, notamment. Ben là, c'était des heures de visionnage pour essayer de scénariser un petit peu ce bêtisier. Donc, pas mal d'allers-retours avec le monteur. Ça reste très chronophage pour nous parce que voilà, ce n'est pas du live, c'est pas on se prend une heure et puis c'est fait. Néanmoins, on arrive à optimiser ce temps parce que maintenant, on fait un tournage tous les mois et demi. Là, normalement, on a des émissions jusqu'à fin janvier. Donc, ça, pour la partie tournage, captation, on arrive à optimiser. Mais pour la partie montage, même si le monteur est professionnel et maintenant, voilà, ça déroule bien, il a compris, bah, ça demande toujours de revisionner forcément une à deux fois la vidéo, de préparer les bandeaux. On fait aussi des volets pour illustrer un petit peu les propos de nos adhérents. Donc, c'est devenu un nouveau métier pour nous. Et nous lançons, alors lors de notre assemblée générale de juin, il a été demandé à nos adhérents de savoir si vous souhaitez poursuivre l'aventure, parce qu'on s'était dit que c'était une aventure qui correspondait à ces temps de confinement. Les adhérents ont voté le fait qu'ils étaient prêts à soutenir financièrement cette expérience, parce que ça avait un vrai coût pour l'association. Et donc, le début janvier, le 11 janvier au soir, nous faisons une soirée de lancement de LEHTV, qui sera sûrement une structure à part entière. Donc voilà la blague qui n'est plus devenue une, qui nous demande d'autres choses, mais en tout cas qui est vraiment passionnante et qui nous permet de faire se rencontrer autrement les adhérents. Parce que quand on fait donc ce tournage, on arrive à faire un repas avec une dizaine de personnes, ceux qui sont là de 11h à midi et demi et ceux qui sont là de 13h à 15h, on les fait manger et donc ensemble. Donc, ils vivent vraiment une expérience. Et puis, on voit vraiment l'avant et l'après, soit entre des nouveaux adhérents ou des partenaires. On a interviewé récemment l'UMI, par exemple, ou le sous-préfet au plan de relance. Ben, ça leur permet de partager avec nous un moment différent qu'un événement, un moment à une dizaine de personnes et vraiment une expérience. On a aussi, par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, on a créé un groupe WhatsApp avec, on les appelle les ambassadeurs de LEHTV. Donc, chaque personne qui sont passées sur LEHTV, on a un groupe WhatsApp qui nous permet aussi de pousser plus le lancement de l'émission et qui puisse la relayer le plus rapidement possible sur leurs réseaux respectifs. Donc, voilà un petit peu pour cette aventure YouTubesque pour LEHV. J'ai été confus, non ? J'ai pas été dans l'an ce matin. Ça va à peu près. Non, c'était très clair. Ouais. Bon. J'avais une question, mais du coup, vous avez répondu dans la dernière phrase. Donc, ouf, juste à j'imagine temps. Qu'on peut le voir sur YouTube. Voilà, effectivement. J'avais raté la plateforme sur laquelle c'était diffusé. Voilà, ouais, non, effectivement, d'accord. On n'est que sur YouTube. La plateforme support, c'est YouTube. On a une chaîne dédiée qui s'appelle LEHTV. Aujourd'hui, nous, on est une trentaine, 35 vidéos. Et on va, je pense, arrêter pendant les vacances scolaires. Pour aussi diminuer. Parce qu'une par semaine, c'était vraiment c'est sport. Mais aujourd'hui, on est sur YouTube et c'est tous les mardis soirs à 18h. Mathieu, petite question. Ouais. Il y a vraiment une grosse logistique là sur votre fonctionnement. Donc derrière une logistique, il y a un coût en général. Ouais. Donc c'était ça ma question. C'est quoi le coût de ce type de journée de tournage ? Ouais. Alors la particularité, c'est qu'en fait, on a image plus le montage. Hein. Ouais. Je te clair. On a imaginé ça en fait et on a eu la chance de travailler dès le début, dès octobre 2020, avec un adhérent qui s'appelle SoLive, dont c'est son métier. C'est des prestataires de l'audiovisuel, de l'événementiel. Eux, ils se sont retrouvés en 2020 à avoir perdu 85% de leur chiffre d'affaires n'être passé que sur des visios, que sur de la vidéo. Donc, c'est avec eux qu'on a imaginé dès le début ça. Et ils nous ont dit, nous, on a besoin de visibilité, on a besoin de continuer à travailler, en tout cas d'occuper nos équipes.
On a mis en place ce partenariat dès le début. Donc, en fait, on ne paye que les techniciens et pas le matériel. Donc, on ne paye pas vraiment le coût réel. En moyenne, c'est à peu près de 4 000 euros quand même par émission. Par tournage. Mais sachant que ce n'est pas le vrai coût. Le vrai coût, on se rapproche plus de... C'est le double, quoi. Après, le montage, on paye, donc le montage, c'est aussi un monteur de l'équipe de SoLive. Et c'est à peu près 1 000 000 d'euros pour 4 émissions, 3-4 émissions. Mais c'est pareil, enfin, je veux dire, ils font partie de l'aventure dès le début, donc c'est des prix un petit peu biaisés. Là, nous sommes en train de voir pour... on a été sollicité par Pôle emploi. On aimerait sortir une web-série sur l'emploi. Donc là, on est en train de recalculer les coûts réels parce que, y a un moment, enfin, ça reste un partenaire, mais il faut que ça reste une entreprise aussi. Donc voilà, si on veut jouer le jeu. Donc j'aurai des coûts plus précis sur ces tournages. Mais c'est vrai que c'est très fluctuant parce que si c'est une captation, par exemple, en extérieur, ce n'est pas pareil que s'ils montent un plateau. C'est vrai que les gars, c'est 2 jours plein de boulot. Quand on finit le tournage, nous, à 19h30, ils sont là jusqu'à 1h du matin pour démonter presque. Et ils sont là le matin à 7h pour tout régler. Et la veille, c'est une grosse logistique. C'est vrai que c'est beaucoup de matériel. Je pense qu'une association... Je ne sais pas quelle association pourrait se payer tout ce matos. Et puis après, c'est surtout avoir les techniciens derrière. Même si on pouvait acquérir tout le matériel qu'ils ont, derrière, il y a un ingé son, un ingé lumière et puis un ingé vidéo qui sont là pour que tout fonctionne. Et même si tout fonctionne, on a eu une fois une panne de son sur une émission qu'on a dû retourner. Mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, pour ma part, j'ai d'autres questions. Est-ce que parmi les autres associations là, qui sont présentes, est-ce que vous avez des émissions également sous un format ou sous une autre à nous partager? Nous, de notre côté, on ne fait pas d'émissions. Nous, on ne fait pas vraiment des émissions, mais par contre, on fait des animations autour de la vidéo. C'est-à-dire qu'on utilise la vidéo lors de nos événements pour amener quelque chose en plus. Et donc, il y a quelque chose qu'on met en place depuis pas mal de temps, c'est la boîte à questions. Alors ça ne coûte pas cher et c'est super rigolo à voir après, à monter et à diffuser. Alors, c'était parti au départ, en fait, d'une première idée qu'on avait eue. J'avais récupéré une vieille salle de bain sur un chantier, baignoire bleue et toilette bleue. Okay. Et j'avais mis le décor de... J'avais recréé lors d'un événement une fausse salle de bain pour faire une fédée presque parfaite, qui était le remake du dîner presque parfait, et où les adhérents devaient noter nos animations, notre programme, enfin tout ce qu'on leur propose avec les mêmes panneaux et assis sur des toilettes ou dans la baignoire. Et donc, ça avait fait quelque chose d'assez rigolo. Et on s'était rendu compte qu'en fait, ils avaient plein de choses à nous raconter. Et après, on s'est dit, on va l'exploiter un petit peu plus. Et donc là, on a fait encore un événement récemment, au mois de septembre. Et on a un adhérent qui nous avait mis à disposition une boîte à questions, donc une grande boîte en bois. Et en fait, les adhérents s'auto-filment. Et en fait, nous, on leur donne des outils. Alors, c'est via un écran. Là, c'était une soirée sur le thème du casino. Donc, je leur avais fait des dés avec des questions. Et c'était le coup de la chance. C'était ou une question sur l'entreprise ou une question perso, assez rigolote. Et voilà, c'était le jeu de savoir sur quoi ils allaient tomber. Et donc, après, on récupère, nous, les rushs. Et tranquillement, on monte ça. Et lors d'un autre événement, ceux qui, du coup, ont participé savent que voilà, ça va être diffusé plus tard. Et ça permet aussi de les faire venir et de suivre un petit peu un fil rouge tout au long de l'année avec ces vidéos. Voilà. Et après, au niveau du fonctionnement de la fédération, nous, c'est 10 associations, autant de présidents. Donc, je me sers aussi des vidéos comme moyen de les rapprocher vraiment... de manière assez forte une fois par an, et on tourne un film. Donc ça, on le fait avec pas grand-chose.
enfin vraiment pas grand-chose. Voilà, c'est à un côté assez humoristique. Et l'idée, c'est de communiquer sur tout ce qu'on fait dans l'année. Donc, le film est là pour promouvoir l'ensemble de nos événements, parce qu'on filme quelques secondes de tout ce qu'on va faire. Et à la fin, je fais un montage. Mais par contre, la vocation première, c'est vraiment de permettre au président de vivre quelque chose ensemble, d'un peu inoubliable. Et donc, on a fait des remakes de films, de séries. On a tourné à Marvel, beauté. Donc, on n'a par contre aucune équipe de montage. C'est-à-dire que généralement, c'est moi qui tourne, qui monte, qui fait les scénarios, qui trouve les décors et les tenues, généralement chez Emmaüs, au vu de nos budgets. En fait, c'est vraiment du jeu. On sait qu'on ne va pas faire quelque chose de professionnel. Les adhérents ne l'attendent pas non plus. Par contre, on crée un événement autour de cette vidéo. Cette vidéo, elle va avoir une thématique. On va amener cette thématique sur l'événement. Ça va amener des animations, ça va amener des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, ça nous a créé une sorte d'identité. Voilà. Après, voilà, clairement, là, pour le coup, on n'est pas sur quelque chose de pro, mais on arrive à faire quelque chose de relativement propre. Sur le dernier, on joue. Enfin, le président souhaitait qu'il y ait un jeu de... D'habitude, c'est tout en musique. Là, non. C'est assez violent. Je veux dire, ce n'est pas des professionnels. Ça se voit, ça s'entend, mais ça fait rire tout le monde. Et c'est peut-être la... Voilà. C'est peut-être ça, c'est ce qu'on recherche. Et donc, voilà, c'est... Et puis, on n'aurait malheureusement pas les budgets pour faire ce genre de choses à notre petit niveau. Donc, voilà. On peut voir cette production quelque part. Ouais, vous diffusez où? Alors, vous avez tout ça sur YouTube, sur notre site internet. Donc, quand vous allez sur le site internet de la FEDE, vous avez un onglet avec... là où il y a les photos, il y a un onglet avec toutes nos vidéos. Et donc, s'il y en a une... Enfin, je pense que notre petite pépite, c'est la FEDE se la joue, c'est... un remake de 10 films et séries connues de tous. Et voilà. Et le président de la fédération finit en jus. J'en dis pas plus. Là, c'est vendeur. Hein. Vous allez avoir un pic de vue là, dans la matinée. Bah, juste après. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des liens comme ça de chaînes YouTube ou Facebook à partager sur lesquels les uns et les autres pourraient aller jeter un œil? Pas encore. Pas encore. Et alors justement, sur les pas encore, ceux qui n'ont pas encore mis en place vraiment d'action dans ce domaine-là, mais qui ont des choses de prévues à venir, qu'est-ce que ça vous inspire, ces trois témoignages? Est-ce que ça vous donne des envies? Est-ce que ça vous rassure? Ça vous fait peur? Dites-nous. Si je peux intervenir. Comme vous ne me voyez pas, je me cache, mais je ne suis pas censée travailler, donc je suis presque en pyjama. Luberon Essor d'Entreprendre, c'est la fusion de deux clubs de chefs d'entreprise. Et donc, il y a toute une construction, vraiment. Il y a un nouveau site internet. Et c'est vrai qu'on est vraiment aux prémices. Hein, donc, le côté vidéo, on va s'en servir pour filmer... des actions sur des événements, mais on n'a pas cette politique de communiquer, de créer un support vidéo récurrent. Donc, ce qui est vrai, c'est intéressant de voir évidemment vos retours d'expérience, le format court, quel type de captation, le gros problème du montage et puis des outils également, et du temps, bien sûr. Mais je pense que voilà, ça cumule bien le côté et créatif et technique qu'il faut avoir en tête, et aussi la construction en amont de ces vidéos. Je pense que le travail, le récit qu'on veut apporter à chaque vidéo est aussi important, et la dimension, l'identité de chaque structure qui doit ressortir, pas faire forcément du copier-coller et arriver à trouver sa propre identité. C'est vrai que le terrain est vaste. Hein. De quoi faire. Oui, j'imagine. Oui. Donc là, c'est vrai que je dois travailler, par exemple, avec deux vidéastes sur un travail plus classique de visite d'entreprise et de témoignage. Donc, ça va être, je pense, une bonne expérience et très concret d'arriver à faire parler les chefs d'entreprise et à donner une dimension aussi esthétique. Je viens du milieu de l'art contemporain. Et c'est vrai que la forme et le fond sont quand même indispensables pour accrocher. Et en fonction des budgets, ce n'est pas toujours évident. Donc, on va voir ce que ça donne.
Et vous, Camille, vous utilisez quoi comme micro? Ah, c'est le micro du téléphone. OK. Mais là, on a acheté un kit de vlogueur. Mais il faudrait qu'on, ouais, mais il faudrait qu'on l'installe et j'oublie à peu près toutes les semaines de le prendre. Donc, ça viendra. Ça viendra. Mais vous savez que nous, on voulait carrément acheter, tu sais, le micro avec la mousse, avec le logo de Capone Entreprendre et tenir comme ça, genre, et alors, qui êtes-vous, que faites-vous? Mais je m'en suis pas occupée. Ouais, en fait, moi, depuis le début, je me dis, je vais faire ce truc pas longtemps. Donc, tu sais, tu dis, j'investis pas, je continue à faire un peu à l'arrache. En parlant d'esthétique, je me dis juste qu'il faut que j'ai une nouvelle robe à chaque visio-découverte. C'est à peu près mon seul prérequis pour pas lasser visuellement. Mais c'est à peu près tout, quoi. Et donc, à un moment, il va falloir que je me pose parce que le bureau et le CA de Capone Entreprendre disent faut continuer, c'est super. Donc, il va falloir qu'on investisse un chouïa, quoi. Enfin, même moi, il faut que je l'investisse mentalement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais l'idée du micro, c'est top, ça, il faut le faire, hein. Ouais. Ah, c'est top, ça. C'est 150 euros les deux, j'avais regardé. Ouais. Ouais, je sais. Non, mais il faut juste que j'investisse mentalement ce truc, quoi. Pour le moment, je ne le fais pas. Mais voilà. Ça demande du matériel, même, enfin, ou pas. Tu vois, ça se fait avec un téléphone et c'est très bien aussi. Mais c'est vrai que, notamment, c'est pour ça que c'était ma question du micro. C'est vrai que souvent, quand Cécile vous disiez le fond et la forme, c'est que le son est très important pour une vidéo. Mm. C'est vrai. Et nous, c'est souvent ce qui pêche, hein, d'ailleurs. Donc, ouais. Voilà. Et marge de progression, tous. Ouais, ouais. La décroissance après, aussi. Hein. Après, il y a une forme de spontanéité aussi qui peut plaire. Hein. Il faut garder aussi cette dimension très directe, humaine, chaleureuse et pas forcément trop formatée. C'est intéressant aussi. Tout à fait. C'est vrai. Mais c'est mieux si on entend les interviewer quand même. Oui. C'est l'idée. Et vous avez juste fait des tests avant, parce que vous parliez du live directement, mais auparavant vous faisiez quand même des petites vidéos pour voir le rendu, ou pas du tout? Vous avez plongé directement dans le grand bain? Ah oui, bah la veille on a fait un test dans le bureau pour voir si on s'entendait, on a vu que ça marchait, et après on a fait. Très bien. Voilà. Bah, c'est vraiment, c'est vrai que c'est marrant d'avoir le témoignage de Mathieu et le mien parce qu'on est sur deux formats totalement antagonistes, quoi, avec le même objectif. Mais c'est vrai que lui, il a fait un format très quali, très pro. Nous, c'est très amateur et pas très quali des fois. Mais c'est marrant parce que c'est des choix éditoriaux qui finalement contentent aussi les besoins de nos adhérents. Donc, c'est. Voilà, après, il faut voir ce qu'on a envie d'y mettre et l'image qu'on veut faire rayonner. C'est, Puis c'est vrai, puis même le témoignage d'Émilie, où c'est sur des vidéos beaucoup plus humoristiques, décalées. Voilà. Et c'est vrai que voilà, les outils vidéo permettent tout ça. Et tu évoquais, Camille, au tout début, hein, pourquoi pas demain TikTok ou Twitch. Enfin, je veux dire, il y a encore des formats qu'on n'explore pas, après, à voir s'ils correspondent bien à. Au rayonnement de nos territoires, mais il y a vraiment, je pense, de la place pour beaucoup d'utiliser cet outil. Et ce que je le disais, c'est vrai que moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que ça reste dans le temps. C'est-à-dire que bah, dans 10 ans, les gens pourront redécouvrir une visio-découverte ou une émission de chez nous ou rigoler encore sur les vidéos d'Émilie. Non, mais ce qui est très bien, moi, je trouve, dans les trois témoignages, finalement, je trouve qu'il y en a un peu trois. C'est que, en fait, ça nous montre différents formats qui vont être adaptés à différentes structures. Et pour ceux qui, par exemple, comme nous, ne font que de la vidéo de temps en temps institutionnelle sur un événement où on a un truc bien calé, on filme sur un truc bien précis parce qu'on veut faire une com sur du contenu qui reste, etc. Ça permet aussi de voir que finalement, si on veut demain, je ne sais pas si ça sera le cas parce qu'on a plein de choses à faire. Il faut les classer, mais en tout cas, c'est super intéressant. Mais qu'on peut aussi le faire avec un budget pour commencer qui n'est pas énorme, même si après, dans le temps, ben, on veut aller vers quelque chose de plus gros et qu'on peut le financer. Mais parce que beaucoup d'assos d'entreprises n'ont pas forcément des budgets qui permettent peut-être de mettre, tu disais en gros, si tu devais payer l'intégralité, c'est 10 000 euros parce qu'entre les textes, ce que j'ai montré, plus l'émission, ça ferait ça pour quatre émissions. Ça
fait, bon, même si ça fait maintenant mois, on avait en faire neuf, mais ouais. C'est ça. Donc, mais si tu fais un tournage une fois tous les mois et demi à peu près, 10 000 euros tous les mois et demi, quand on fait le calcul, même si on fait sauter le mois d'août, et qu'on fait sauter en gros un autre mois dans l'année, cumul de vacances diverses et variées, hein, on se retrouve sur 10 mois possibles, 10 000 euros pour un mois et demi, ça fait un budget qui est vite fait à 60 000 euros. Pardon. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui ont budget total, parce qu'après, ça peut se faire avec du partenariat comme toi, et ça, c'est plus envisageable dans notre façon de fonctionner à tous. Mais je pense que le premier temps, pour les gens qui vont débuter, ça va être un format plus simple. Après, je pense que même Camille aussi, alors peut-être pas Émilie. Oui, mais ça sera peut-être le temps 2 de Camille aussi, de faire un mix des deux, un peu des deux. Mais, je veux dire aussi, je pense qu'on a tous commencé via Zoom. Bah, oui. Enfin, plus ou moins, hein. Moi, je me rappelle la première assemblée, enfin, notre assemblée générale de 2020, bah, c'était avec une webcam et puis un micro comme ça, je crois, enfin, en tout cas. Et puis, il y avait les administrateurs derrière le bureau, vous l'avez fait aussi, Camille. Donc, voilà, il y a plein de façons d'utiliser l'outil vidéo, voilà, que ce soit à travers un visio ou sur un Facebook Live ou sur un plateau télé. Mais c'est clair, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça montre la variété parce qu'on est vraiment… dans plein de possibilités, ça montre que c'est ouvert et que bah, finalement, Atelier aussi la truc fait... se lancer, bah, y a plein de possibilités. Atelier avait fait quelque chose de super aussi bah, pour la Rager 2021, je crois. La vidéo boulette. Ouais, et puis des jeux interactifs aussi. Ouais. Effectivement. Alors moi j'étais pas là, mais je sais qu'effectivement ils l'ont fait. Et pour la dernière soirée aussi, on a eu le droit. Enfin, une fois par an, on fait la soirée de fin d'année. On a du coup un de nos adhérents qui nous fait le montage vidéo, qui carrément qui filme, qui et pour le coup c'est vraiment bien fait et c'est cool d'avoir ce genre de prestations. Alors nous en interne, on n'a pas du tout ni les ressources, ni le matériel, ni le budget pour faire ça, mais de temps en temps, quand on fait vraiment des gros événements, il nous fait le montage et franchement, c'est vraiment quelque chose de super quoi. Qui d'ailleurs est sur notre chaîne YouTube également. Alors pour nous, la chaîne YouTube, elle nous sert plus de bibliothèque de stockage. Voilà, où on met nos vidéos. On ne l'utilise pas vraiment comme un réseau social, en tout cas pas encore pour l'instant, parce qu'on n'a pas suffisamment de contenu. Mais voilà, en tout cas, les petites vidéos comme ça, on les met sur YouTube, effectivement. Voilà. On avait fait des beaux tournages chez Isabelle, d'ailleurs, ta présidente, l'année dernière. C'était assez rigolo. Ouais. Qui sont d'ailleurs encore sur votre chaîne et qui nous servent encore en promo d'un événement qu'on organise tous ensemble tous les ans. Oui. On avait fait neuf vidéos, une journée. C'était très sympa. Effectivement. Je suis désolée, mais il va falloir que je parte. J'ai une permanence sur comment faire du réseau pour se développer. Oui. Et ce n'est pas dans mes locaux, donc il faut que je prenne la bagnole, tout ça. Film. Donc merci en tout cas pour votre attention et pour les échanges, c'était hyper intéressant. Je vais aller voir un peu surtout Émilie, là je suis hyper intriguée. Je pense que cet après-midi je vais soyez regarder indulgent, c'est pas mon métier, soyez indulgent. c'est pas grave. Et regardez pas trop au début, les premières elles sont mauvaises. Et comme moi, les vidéos découvertes au début elles sont horribles, après ça s'arrange. N'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou enfin n'hésitez pas, j'échangerai avec vous très volontiers s'il y a des questions supplémentaires. Merci Fleur pour l'organisation de ce webinaire. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée et des bonnes fêtes de fin d'année, parce que j'imagine qu'on ne se reverra pas d'ici là. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. J'avais juste une dernière question, en tout cas, par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est vrai que notre réunion, là, on parle beaucoup des vidéos. Est-ce que vous utilisez encore les réseaux sociaux sur des communications plus statiques d'images, de textes voilà. Est-ce que ça fonctionne encore ou clairement, on est passé sur l'ère de la vidéo aujourd'hui ? Qu'il faut utiliser tous les canaux hein, de communication parce que parmi les adhérents et parmi le public, il y aura différents types de profils et certains seront captés par la vidéo, d'autres par une newsletter, d'autres par un mail. Enfin, voilà, il ne faut pas négliger l'un ou l'autre. Oui. Oui, je voudrais dire, moi, personnellement, que nos adhérents n'ont pas du tout de temps
Donc, on communique par LinkedIn uniquement et on communique uniquement pour mettre en valeur soit les adhérents relayant leur actualité, soit nos propres actualités, mais il n'y a pas de mise en valeur des personnes de l'association. C'est vraiment uniquement de la mise en valeur des membres de l'association. Pour nous, le pôle d'activité d'Aix-en-Provence, c'est un peu particulier parce que nous, on est une association foncière. Donc, nos adhérents, de fait, c'est des propriétaires fonciers qui ne sont pas forcément au quotidien sur le pôle d'activité. Et le pôle d'activité en lui-même, c'est 1500 entreprises. Donc, on n'est pas du tout dans cette démarche de valorisation des entreprises, on est plus dans une démarche de valorisation d'un territoire. Et bien sûr, des entreprises qui la composent, mais de manière indirecte. Moi, je suis arrivée depuis le mois de février là, sur l'association. La première chose que j'ai créée, c'est la page LinkedIn de l'association qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Justement, pour pouvoir attirer aussi les salariés, les dirigeants d'entreprise qui travaillent tous les jours sur le pôle et qui peuvent être intéressés par toutes les questions qu'on règle ou pour participer à nos événements, parce qu'on fait quand même des événements chaque mois pour toutes les entreprises. Et en fait, on voit bien qu'en multipliant les canaux et les réseaux sociaux sur lesquels on est présent, on ne va pas toucher le même public. Parce qu'on est présent sur Facebook depuis un certain temps, c'était Françoise qui avait créé ça. Donc, il y a des personnes qui sont les habitués de Facebook et qui vont regarder que nos actualités sur Facebook. On va avoir ceux qu'on va toucher par LinkedIn. On est aussi sur Twitter. Sur notre site Internet, sur la newsletter, on a même un magazine papier. Et le magazine papier, c'est pareil. On a beau l'envoyer aux mêmes entreprises, ce n'est pas les mêmes personnes qui les lisent. Donc, je pense qu'effectivement, la clé, en tout cas, quand on veut s'adresser à un public le plus large possible, c'est d'avoir des communications sur le plus de réseaux possible. Après, entretenir un réseau et faire en sorte que nos publications soient vues, ça demande beaucoup de temps. Des ressources qu'on n'a pas forcément tout le temps. On a d'autres priorités aussi. Mais je pense que la clé est là. Nous, clairement, sur la partie vidéo, la seule chose qu'on fait, c'est des captations quand on fait des conférences ou des rendez-vous comme ça et qu'on met sur notre site Internet. Pareil, on utilise YouTube uniquement pour héberger les vidéos, en fait. Nous, on peut imaginer plein de choses. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des formats très pro, des formats très courts. Moi, spontanément, je sais que j'ai des écoles supérieures sur le pôle d'activité, des écoles privées qui ont des sections vidéo. Donc, on peut très bien imaginer avoir des ressources comme ça pour monter des formats qui, là, auraient pour valoriser un quartier du pôle, par exemple. On en reparlera avec Françoise. Après, nous, des idées, on en a plein. Ce qu'il faut derrière, c'est avoir, comme vous le savez tous, un conseil d'administration qui suit dans la démarche. Et puis, du temps, arriver à dégager du temps aussi pour faire ce genre de choses qui sont quand même chronophages. Voilà. En tout cas, merci pour ce rendez-vous et puis les petites présentations. C'était intéressant de voir ce qui peut se passer sur le territoire. Et pour nous, c'est LinkedIn aussi. Enfin, LinkedIn a presque à 100%. Après, il y a tous les canaux que vous évoquiez, la newsletter, les mails, etc. Mais c'est vrai que la puissance de LinkedIn est quand même remarquable pour nos publics. On a un bon retard sur le sujet LinkedIn. Je m'y suis mis un peu tard, mais on est en train de développer. Après, on essaye de faire ça en trois temps. Généralement, pour tout ce qui est de promotion d'événements ou autres, on va faire de la photo au moment de la préparation, au moment où on est en visite chez un adhérent. Enfin, voilà, c'est vraiment de la publication instantanée. Après, on va avoir une publication qui va être plus sur la longueur où on va commencer à mettre nos supports, nos flyers, les choses comme ça, où voilà, on va donner les save the date. Voilà. Et après, on va avoir, généralement, la vidéo vient à la fin, c'est-à-dire qu'après, on fait un retour toujours en vidéo, enfin maintenant. Mais après, alors juste un petit truc, je voulais vous dire, c'est tout simple, je vais découvrir ça, c'est juste fabuleux. J'ai ouvert un compte Google Earth, ça coûte rien du tout, il faut juste expliquer pourquoi vous voulez utiliser Google Earth. Et en fait, vous allez pouvoir créer des images de vos pôles d'activité, de vos entreprises, des lieux que vous allez exploiter pour vos événements. Vous avez juste de mettre l'adresse et de choisir la manière dont vous allez arriver. Donc, vous pouvez partir de l'espace et arriver sur le point, voilà. Il peut y avoir des images en 360 autour d'un bâtiment. Il peut y avoir... Et en fait, quand vous avez vous avez réglé vos angles de vue, que vous avez le bon format, s'il vous plaît, vous l'éditez. Ça vous sort un fichier qui est complètement exploitable et qui peut vous permettre, en rajoutant juste des phrases dessus, de rappeler aux gens qu'on a rendez-vous là à tel endroit. Et ça fait une image qui est quand même super sympa à regarder. Et ça ne coûte rien du tout. Et pour une publication en réseaux sociaux, des fois, ça peut être largement suffisant.
Et là, pour le coup, vous n'avez même pas besoin de caméra, vous n'avez besoin de rien du tout. Donc, bien vu. Voilà. Petite demande. Et alors, moi, j'ai juste une petite phrase en disant, voilà, on est des associations d'entreprises et c'est pour mettre sur nos vidéos d'événements. Et dans la nuit, ça a été accepté. Je devais envoyer ça le soir à 6-7 heures et le lendemain matin, j'avais mes codes d'accès. Donc, très rapide. Et maintenant, je démarre quasiment toutes mes vidéos avec le petit vue de Google Earth. L'autre jour, j'ai fait une vidéo pour les commerçants de Rognac et on se balade finalement d'une rue à l'autre. Et ça me permet de faire mes plans séquences entre mes tournages chez les commerçants. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça, mais voilà. J'avais dit qu'on avait à faire une pro. Non, mais non, pas du tout. Non, non, je me suis passionnée par contre. J'avais aucune formation pour le sujet et je me suis formée sur YouTube. J'ai regardé des tutos pour apprendre à monter des vidéos et ça a démarré comme ça. Et donc, c'est pour ça que ça a mis du temps. Mais on fait ça. Il y a 6 ans que je travaille pour la fédération. Il y a déjà bien 5 ans et demi qu'on travaille doucement la vidéo. On a commencé avec des ficelles et un vieux roll-up qu'on avait découpé pour qu'ils aient le logo derrière leur tête qui bougeait pendant que je les filmais. C'était pas du tout pro, c'était pas du tout. C'était avec une caméra, avec des mini-CD, parce que c'était ma caméra perso. Donc vraiment, on a démarré avec rien du tout. Mais c'est vrai que ça. Nous, on s'en sert beaucoup pour créer de la convivialité. Aujourd'hui, les adhérents veulent être filmés, veulent être sur nos films, même humoristiques, même si c'est pas toujours. Ça désacralise un peu. On a un réseau qui rassemble des chaînes de reprise de grosses structures, mais aussi des autres entrepreneurs, des commerçants. Et finalement, le fait de créer ces vidéos, comme on dit, ça dépend des structures et de ce qu'on veut y faire passer. Nous, ça a été un moyen de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, peu importe la taille de la structure. Voilà. Bravo. Après, elle n'est pas là, Christelle, mais j'ai suivi un petit peu aussi l'actualité du G-Web. Et l'association du G-Web a mis en place des vidéos, c'est assez récent aussi, pour tous ses partenaires. Donc, c'est aussi un moyen, ça peut être intéressant quand vous avez besoin de trouver des financements ou autre, effectivement, d'offrir à vos partenaires une visibilité plus. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et donc, ça ressemblerait au live de Camille, mais avec un montage voilà, où en fait, c'est toujours les mêmes questions qui sont posées. Donc, ils peuvent préparer, sauf que là, c'est monté. Et c'est des petits formats courts, c'est assez sympa. Les notes sont prises. Bon, et bien en tout cas, merci beaucoup parce que les échanges étaient super intéressants et on voit effectivement tout le gradient entre quelque chose de fait rapidement avec les moyens du bord et jusqu'à des formats très très pro. Ça donne plein d'idées, ça ouvre tous les champs possibles, donc j'espère qu'effectivement vous allez tous continuer à nous faire de belles choses et à nous les partager. En tout cas, n'hésitez pas moi à me faire remonter des choses comme ça pour que je puisse le partager à l'ensemble. Donc l'enregistrement de cette visio sera aussi accessible pour ceux qui ne pouvaient pas se joindre aujourd'hui. Ils peuvent me contacter, je leur enverrai le lien. Et puis donc vous dire aussi que donc le mois prochain, en décembre, il y aura également le même type de format autour du sport et des animations sportives pour créer cette dynamique inter-entreprise et inter-salariée sur les parcs d'activité avec un retour d'expérience de Sophie Antipolis qui fait vraiment des Jeux Olympiques. Les Olympiades. Oui, les Olympiades. Ouais. Donc un beau projet encore à partager. Donc si vous êtes disponible et que ça vous intéresse. Merci Flora. Parfait. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, à la prochaine. Bonne journée. Sois-y qu'à mercredi, belle fin de semaine à tous. Laurie, je ne sais pas si on te voit mercredi.